Bonsoir Marielle de Sarnez, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre chargée des Affaires européennes, candidate aussi aux législatives, on en parlera après. Premier conseil des ministres de ce gouvernement, comme le disait François Bayrou, comme on en parle, qui reste extrêmement atypique, qui correspond à la promesse peut-être d'Emmanuel Macron, mais dont on attend avec beaucoup de curiosité le fonctionnement. Mais d'abord, je crois qu'il correspond aussi, pas seulement à la promesse d'Emmanuel Macron, mais il correspond à ce qu'attendent les Français, au fond, confusément depuis longtemps, à sortir de cette espèce d'opposition absolument stérile entre des gens qui souvent pensent la même chose, mais qui s'opposent parce qu'ils ne sont pas dans le même camp. Et ça a donné quoi? Ça a donné des années, des années, des années d'impuissance publique totale, de promesses non tenues. Donc je crois que c'est ça l'attente des Français. Et hier, évidemment, moi, c'était émouvant pour moi. C'est la première fois de toute ma vie que je suis ministre, donc j'en suis très heureuse. En plus, c'est l'Europe, donc c'est quelque chose en quoi je crois complètement, fortement, profondément. C'était très émouvant et en même temps, il y avait une équipe qui était très compacte. Ouais. C'est-à-dire, c'est très cohérent, les gens qui sont là. Oui, OK, il y a des gens de droite républicaine. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre, on va dire, Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb d'un côté, finalement, et Édouard Philippe ou Bruno Le Maire de l'autre? Il y en a peut-être pour qui tel ou tel sujet, c'est plus intéressant. Mais au fond, ils partagent tous la même vision. Ils sont tous profondément européens. Ils pensent tous qu'il faut davantage de liberté pour les entreprises, davantage de liberté pour l'économie. En même temps, ils savent qu'il faut de la solidarité et qu'il faut aider ceux qui ont le plus de difficultés. Ils savent que l'école, c'est fondamental et qu'il faut la réformer pour que ça marche mieux. Et ils savent qu'il faut des réformes dans le pays qui n'ont jamais été faites. Oui, mais sur ces réformes, si on prend Bruno Le Maire, les Républicains lui disent pendant votre programme des primaires, vous disiez qu'il fallait baisser la CSG, maintenant vous allez la faire augmenter. Ah oui, mais ça, c'est le problème des embrigadements de partis, si vous voulez. Moi, je suis une femme assez libre, donc j'essaye au fond d'avoir mes propres idées ou mes propres convictions. En même temps, c'est assez courageux, quand vous avez tenu la position de votre parti, de prendre quand même le risque de se dire, écoutez, là, c'est un moment qui est un moment important, c'est un moment clé pour le pays. Moi, je pense que nous avons une obligation de réussir. Je pense vraiment que c'est la dernière chance pour le pays avant de tomber peut-être dans l'extrémisme si nous ne réussissons pas. Oui. Et donc, au fond, ça nécessite de dépasser des espèces de clivages anciens. Quel conseil a donné, du coup, le président et quelle méthode, quelle feuille de route? Comment ça va fonctionner? Comment ça va très bien fonctionner, parce que c'est cohérent. Très bien fonctionner. Il y a un projet, il y a ce qu'a porté Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est un jeune président. Moi, je trouve que c'est une promesse pour la France formidable. Je pense que sa présidence va faire du bien au pays. Je pense que peut-être la France a la chance là de sortir d'une espèce de dépression, finalement, que nous vivons depuis des années et des années. Alors oui, il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce qu'il y a. Il n'y a pas d'état de grâce. Vous avez vu, les sondages montrent qu'il y a moins de gens qui sont convaincus que d'à n'importe quelle élection présidentielle. Eh bien, écoutez, d'abord, moi, je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas d'état de grâce. C'est d'ailleurs un terme, ça veut dire quoi, état de grâce? C'est-à-dire, c'est un moment où on pourrait faire tout et n'importe quoi, que ça trouverait grâce aux yeux de tout le monde. Ben, ça veut dire que les Français sont exigeants. Oui. Ça veut dire que les Français, ils attendent des réponses. Ça veut dire que les Français, ils ont pas seulement des attentes, pas seulement des espoirs, aussi quelquefois ils expriment évidemment du désarroi, de la colère, mais il y a une attente. Et c'est ça que je trouve très intéressant pour les semaines qui viennent. Mais justement, là par exemple, quand il va y avoir la réforme du Code du travail, la réforme de la moralisation de la vie publique, mais surtout les réformes, on va venir sur l'Europe bien sûr dans un instant, parce que tout ça est quand même lié, mais quand il y a la réforme du Code du travail ou bien des réformes dans l'éducation et qu'il y a des gens dans la rue parce qu'ils ne sont pas contents, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je crois qu'on avance comme ça des phrases. À quoi ça va servir, cette réforme du Code du travail? Ça va servir à donner plus, au fond, peut-être de liberté à ce qui peut se décider dans le cadre de l'entreprise. C'est-à-dire à faire davantage confiance au terrain, à ceux qui font, à ceux qui savent. Bien, écoutez, c'est bien. Franchement, dans la plupart des pays qui nous entourent, en Europe, ça se passe de cette façon-là. Il y a en France peut-être une espèce de sur-administration, quelquefois. Il faut simplifier. Alors évidemment, il faut protéger, il faut sécuriser, il faut garantir. Mais en même temps, il faut libérer. Il faut donner aux chefs d'entreprise une possibilité peut-être d'aller plus loin, d'aller plus vite. C'est important pour l'emploi aussi demain en France. Il y a eu deux candidats qui sont arrivés au premier tour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient un regard très sceptique sur l'Europe et sur l'euro. Soyons clairs, vous êtes ministre de l'Europe.
Évidemment, il a obtenu 66% au deuxième tour, mais ces électeurs-là, ils sont restés toujours aussi sceptiques sur l'Europe. Comment vous allez faire, eh bien, pour leur expliquer qu'on peut réformer l'Europe, que la France peut être... Il y a, à mon sens, deux réponses. La première, c'est que la France commence enfin à faire les réformes qu'elle doit faire. C'est que ça commence à aller mieux. C'est que peut-être on renoue avec la croissance. C'est qu'on recrée des possibilités d'emploi, qu'on facilite, qu'on favorise, qu'on assouplisse. Ça, c'est extrêmement important. Qu'on fasse les réformes, par exemple pour l'école. Vous en parliez tout à l'heure avec Luc Ferry. Oui. Je veux dire qu'il y a 40% d'élèves qui rentrent aujourd'hui en 6e sans maîtriser totalement la lecture et l'écriture. Mais c'est un crime. On ne peut pas rester indifférent à ça. Donc ça, il faut le changer de toute urgence, parce qu'après, tous ces jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Bah, des jeunes au chômage quand ils sortent du système éducatif. Donc ça, c'est la première chose. Que la France, au fond, fasse ce qu'elle a à faire, qu'elle gagne et qu'elle revienne en force. Et si elle revient en force, bien évidemment, à ce moment-là, dans un destin, dans une vision européenne, on pèsera à nouveau dans l'Europe. Et moi, ce que j'aimerais, mais profondément, c'est réconcilier les Français. Oui. Réconcilier tous les Français avec l'idée européenne, et même si j'ose dire avec l'idéal européen. Qu'est-ce que c'est l'idée européenne ? C'est que des citoyens librement, de peuples différents, ont consenti à défendre ensemble des intérêts parce qu'ils pensent qu'ensemble, on sera plus fort. Simplement, il faut que cette Europe, il faudra qu'on la change. Il y a une exigence, voilà. Il faudra qu'on la change. Il faudra qu'elle se détechnocratise. Vous voyez ce que je veux dire ? On dit l'Europe, c'est Bruxelles. D'abord, l'Europe, c'est pas une affaire de politique étrangère. L'Europe, c'est nous. C'est pas Bruxelles. Qu'est-ce c'est que ça pas va changer l'étranger. Que ce soit le ministère de l'Europe, puisque mais c'est ça cette appellation ? Parce que ça veut dire que le président Emmanuel Macron met l'Europe au cœur et il l'assume. Il dit c'est aujourd'hui c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc c'est formidable. Nous avons un destin commun en Europe. Mais moi, il faut qu'on construise tous, une Europe qui nous aide, qui sécurise, qui protège, oui, parce qui y a, nous en défende. Même temps, Angela Merkel, elle a dit au début, c'est magique, mais après, on attend les résultats. Elle ne va pas nous faire de cadeaux. Mais oui, mais personne ne fera de cadeaux à personne. Mais en même temps, on a, je crois, recréer une confiance avec l'Allemagne. L'Europe, elle a toujours avancé quand la France et l'Allemagne ont décidé de la faire avancer ensemble. Mais ça ne peut se faire que si on est des partenaires qui s'estiment et qui se respectent, des deux côtés. Il n'y en a pas un qui doit être plus fort. Les deux doivent être forts. Donc la première chose, c'est que la France fasse ce qu'elle a à faire, son propre boulot. L'éducation nationale, ce n'est pas l'Europe. Le problème de notre déficit, de notre dette, d'améliorer les choses pour tous ceux qui créent de l'emploi demain, ce n'est pas l'Europe. Ça, c'est la France. Il faut le faire et il faut redonner de l'espoir pour l'Europe. Il faut entendre, moi je vais entendre tous ceux qui disent de nos concitoyens que l'Europe, elle apparaît lointaine, elle apparaît technocratique, elle ne nous protège pas, je ne sais pas, vis-à-vis des importations de certains pays. Sur les travailleurs détachés. Il faut qu'on entende tout ça et qu'on règle les problèmes si on veut. Vous êtes optimiste, vous avez l'impression qu'on pourra obtenir des résultats, par exemple, sur les travailleurs détachés. Mais il faut qu'on se batte. Il faut qu'on entende d'abord ce que les Français ont à dire et ce que la France a à dire. Après, on ne décide pas tout seul. On décidera à 27. Et donc, il faut pouvoir porter ces dossiers, avoir une force de conviction, entendre les arguments des autres pays, mais en même temps que les autres pays comprennent qu'il y a des situations auxquelles, oui, il faut mettre fin. Dans ces législatives où vous êtes candidate dans une circonscription, dans la 11e circonscription de Paris, il y a devant vous le socialiste Pascal Cherki, il y a aussi un républicain aujourd'hui, Francis Piner, qui est devenu candidat. Les candidats d'En Marche disent qu'il faut donner une majorité au président. Mais d'autres disent mais non, il faut donner une opposition républicaine et pas seulement Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'une certaine façon, les autres partis demeurent et les républicains qui ne soient pas dans les extrêmes, comme vous dites. Mais vous voyez bien que les deux partis, on va dire Parti Socialiste d'un côté et Républicain de l'autre, ce sont des partis qui arrivent en fin de cycle. Ce sont des partis qui sont traversés par des clivages absolument énormes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les frondeurs super à gauche qui regardent surtout pas l'économie, le monde, qui détestent l'entreprise, et les sociaux-démocrates ouverts et progressistes ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une droite, on va dire, républicaine, modérée, et une droite anti-européenne à fond ? Rien. Donc on voit bien que ces deux clivages, à droite et à gauche, voilà, ils passent par ces deux partis et qu'au fond, il va y avoir une recomposition. Vous pensez avoir la majorité absolue ? Oui. Je pense que les Français donneront sa chance à ce gouvernement. Je pense que les Français donneront sa chance au nouveau président de la République
pour agir, pour faire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on entend des deux autres partis, et en particulier d'une toute petite partie de la droite, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui soutiennent, hein, qui soutiennent le nouveau président. Une partie de la droite dit « Ah non, non, il ne faut pas voter pour Emmanuel Macron, il faut l'empêcher d'agir d'une certaine manière. Ne lui donnez pas vos votes et vos suffrages. » Ben oui, empêcher d'agir, ce n'est pas la réponse. Empêcher d'agir, ça fait des années qu'on empêche d'agir. Là, pour une fois, on a une chance, mais je la crois vraiment. Historique de faire les choses, historique d'avancer en France, de redonner de la confiance, de redonner de l'espoir et de la solidarité pour la France et pour l'Europe. Et moi, je suis sûre que cette chance, les Français vont la saisir. Merci, merci Marielle de Sarnez d'être venue sur notre plateau. Bon week-end à tous. Merci.